parce que c'est pas de la parce que c'est pas de la tristesse, c'est de la colère, c'est de la rage que t'as. C'est des larmes de tristesse, mais la composition des larmes, c'est de la rage. C'est comme s'il y avait une goutte d'arsenic dans chacune de tes larmes. Parce qu'il y a quelque chose qui te reste coincé en travers de la gorge, parce que c'est trop lourd à porter pour toi, parce que tu as envie de changer les choses, parce que tu en as marre de la manière dont se poursuivent les choses, dont se font les choses, non, dont se poursuivent les choses. Derrière ces larmes, il y a de la colère, il y a de la rage. Et derrière cette rage, il y a une envie de faire bouger. Et pourquoi tu as envie de faire bouger? Et non, plutôt, qu'est-ce que ça va te permettre de faire bouger les choses? Ça va te permettre de redessiner les contours de ta vie qui sont trop flous. Parce que la décision et l'action, il n'y a que ça de vrai pour redessiner les contours de ta vie. Tu auras beau avoir mille compréhensions intellectuelles ou même vibratoires, il n'y a que l'action qui va te permettre de réellement faire bouger les choses. Derrière ces larmes, il y a la jouissance de juste de te, comment je pourrais dire ça, de voir que tu peux le faire, de te dire je t'aime, d'être avec toi et pas contre toi, et pas à t'ignorer non plus, mais réellement avec toi, d'être là pour toi. Voilà ce que cachent tes larmes. Merci beaucoup, Béatrice.